C'était un rêve et il est devenu réalité. Le 14 mai 2018, Laetitia Millo a donné la vie à une petite fille, Niana. Pour devenir mère, la comédienne a dû mener un lourd combat face à la maladie, l'endométriose. Mais preuve que l'amour et la persévérance gagnent toujours, avec son mari, Badri, ils ont réussi à agrandir leur famille. D'ailleurs, jeudi 9 septembre 2021 dans Magic Maman, la comédienne est revenue sur son rôle de maman. Je suis une maman qui a découvert une certaine patience en elle. Je suis une maman poule, très câline. J'ai tout le temps envie de lui faire des bisous. Je suis hyper attentionnée, plutôt cool. Je fais confiance à mon instinct et ça m'a plutôt bien servi jusqu'à maintenant, a-t-elle expliqué. Même si elle adore son rôle de maman, elle regrette que sa fille grandisse un peu plus chaque jour. Il y a 3 ans, elle était encore dans mon ventre, j'ai l'impression que c'était il y a un mois, a-t-elle encore expliqué. Alors que l'actrice de 41 ans n'a jamais caché sa maladie ni ses difficultés pour tomber enceinte et devenir maman, elle a assuré qu'elle n'aurait pas le bonheur de vivre ça une deuxième fois. Même si, avec mon mari, nous aurions aimé donner un petit frère ou une petite sœur à Niana, nous nous concentrons aujourd'hui sur son éducation. Nous avons une magnifique petite fille, nous sommes les plus heureux du monde. Même si je sais que je ne pourrai plus porter la vie, je ne vis pas ça comme un deuil. J'essaie au contraire de voir le côté positif. Laetitia Millo ne vit pas cette situation comme un deuil, il n'est donc pas question pour elle de s'apitoyer sur son sort. Aujourd'hui elle veut aider toutes les femmes qui n'ont pas eu le même bonheur qu'elle de porter la vie. Si nous avons choisi de médiatiser notre désir d'enfant et ses difficultés, si est-il pour faire avancer les choses et aider les couples et les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Depuis Niana, j'ai encore plus envie de me battre pour que les gens connaissent ce bonheur, au moins une fois.